Mes chers amis, aujourd'hui, je vous propose de prier avec nous des litanies qui sont adressées au Père du ciel, au Père éternel, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important aujourd'hui, surtout que nous vivons maintenant l'année de Saint-Joseph, déclarée par le pape François, parce que malheureusement, le Père du ciel est trop peu connu et encore trop peu aimé. Et c'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on l'aime si peu. Et il a révélé à plusieurs mystiques combien il était triste de voir qu'on le prend toujours pour quelqu'un de dur, quelqu'un de, voilà, qui est indifférent aux souffrances des hommes. Alors c'est tout le contraire, le Père n'est que amour et miséricorde. Et d'ailleurs Jésus, qui est amour et miséricorde, est quand on regarde Jésus, on voit le Père. Donc toute la tendresse qui est en Jésus, elle est dans le Père. Le Père est un Dieu de miséricorde et de tendresse. Et combien en avons-nous besoin aujourd'hui où vraiment l'humanité souffre. Et le Père se penche sur nous, et plus nous allons le prier, plus il va se pencher sur nous et nous donner des grâces justement d'unité, des grâces de courage, des grâces de lumière, des grâces, en un mot, toutes les grâces. Voilà. Tout un mot, toutes les grâces. Voilà. Nous allons commencer par les litanies, et puis après on dira une prière ensemble que vous connaissez peut-être déjà. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Père éternel, toi qui es trois fois saint, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es tout créateur, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute sagesse, nous t'adorons. Père éternel, qui es toute connaissance, nous t'adorons. Père éternel, qui es toute vérité, nous t'adorons. Père éternel, qui es toute puissance, nous t'adorons. Père éternel, qui es tout amour, nous t'adorons. Père éternel, qui es toute amabilité, nous t'adorons. Père éternel, qui est toute bonté, nous t'adorons. Père éternel, qui est toute miséricorde, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute justice, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute compassion, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute paix, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute fidélité, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute grâce, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute consolation, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute splendeur, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute majesté, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute tendresse, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute bienveillance, nous t'adorons. Père éternel, toi qui es toute joie, nous t'adorons. Père éternel, toi qui as envoyé l'agneau de Dieu afin de racheter les péchés du monde, sauve-nous, Seigneur. Père éternel, toi qui as envoyé l'agneau de Dieu, entends notre prière, Seigneur. Père éternel, toi qui as envoyé l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ô Père éternel, nous, tes enfants, t'offrons ces litanies de louanges, d'amour et d'adoration, en action de grâce pour toutes tes œuvres d'amour. Emplis nos cœurs de la chaleur de ton amour et puissions-nous un jour contempler ton visage. En union avec le cœur immaculé de Marie, nous te le demandons par l'intercession de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mes chers amis, je voudrais ne pas terminer ces litanies, cette prière au Père, sans prier avec vous cette magnifique prière composée par Charles de Foucault, ce grand adorateur du Père, parce qu'elle est irrésistible. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, ô mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, car ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me livrer entre tes mains. Sans réserve,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Père, ô mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.